Donc je suis avec Pascal Bois, député La République En Marche de l'Oise et secrétaire de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous avez été missionné par la ministre qui a annoncé récemment la création du Centre national de la musique. Vous avez été missionné de la mission, pardon, de préfiguration de cette maison commune de la musique. Est-ce que vous pouvez revenir sur les principales étapes de sa création et nous dire où en sommes-nous aujourd'hui? Bien. Alors, en effet, on a été missionné aussi par Matignon, hein. C'est à la fois par la ministre, bien évidemment, et le Premier ministre. Je tiens à y associer d'ailleurs ma collègue, puisque nous sommes en duo, hein, de la musique. On va parler de duo avec Émilie Cariou. Donc, en termes d'agenda, nous sommes dans c'est vrai, un planning un peu contraint. Donc, nous allons à l'essentiel, efficace, pragmatique. Déjà, nous partons du rapport de Roch-Olivier Metz qui était fait en novembre dernier, et ce rapport qui fait quand même l'unanimité, voilà, sur sa bonne matière, sa bonne consistance. Donc, nous n'allons pas pouvoir avoir le temps de rééditionner, bien sûr, tous les acteurs de la filière, mais ce qui est prévu déjà, c'est un courrier que beaucoup d'entre eux ont reçu, qui est une invitation à une contribution. Voilà ce que eux imaginent dans cette maison commune, dans ce CNM, et d'être donc force de proposition pour bâtir avec nous les fondations de cette maison. Voilà. Dans un premier temps, c'est ce que nous attendons maintenant en retour, hein. Le courrier a été envoyé au moment où il y a eu le MIDEM, où j'ai, pour ma part, eu l'occasion déjà de rencontrer pas mal d'acteurs de la filière. Et ce que l'on va faire après, là, c'est recenser tout ça. Un autre rendez-vous est prévu, c'est à La Rochelle, dans le cadre des Francofolies. Alors, nous devrions y être avec ma collègue le 11-12. Pour ma part, j'y serai même le 11, 12, 13, je crois, enfin peu importe. Et là, on fera une forme d'atelier, de table ronde, avec chaque spécificité. Voilà, ceux qui sont plutôt les éditeurs, ceux qui sont plutôt orientés sur le numérique, ceux qui sont plutôt les diffuseurs, ceux qui sont. Voilà, des fois les deux, parfois ils sont les deux à la fois. Voilà, les auteurs, les compositeurs, et de faire. On est obligé de rationaliser. Et puis, c'est une façon aussi, déjà, de les voir entre eux. Voilà. Parce que cette maison commune, c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme un peu, excusez-moi du terme, mais enfin un peu œcuménique, où là, tous les acteurs, il va falloir qu'on soit. Je rappelle régulièrement que c'est une forme de co-construction, d'où ces contributions. Et alors, quelles vont être les missions principales de ce Centre national de la musique? Alors, on repart, comme je vous l'ai dit, du rapport de Roch-Olivier Metz. Alors, on est assez d'accord, voilà, pour partager cette même vision d'observation, bien sûr, de la filière, d'être toujours un peu voilà, en observation, en veille, et l'information. Il y a aussi un vecteur qui est important, c'est la formation. Oui, on en a beaucoup parlé ce matin dans le cadre d'une table ronde. Est-ce que oui, donc la formation, comment ça s'organisera? Vous le savez un petit peu. Non, là, c'est un petit peu prématuré de savoir comment ça s'organisera, parce que c'est un vecteur où justement. C'est là qu'il y aura véritablement aussi peut-être un tout petit peu plus de transversalité. Moi, j'ai trouvé quand même dans mon premier bilan, voilà, puisque moi je suis un peu néo dans cette filière, mais dans ce domaine. Mais ce que j'en ai observé déjà en très peu de temps, c'est que je trouve qu'il y a une multiplicité de représentants, d'acteurs, et que je pense qu'il y a du coup peut-être une perte d'efficacité et de soutien vertueux. Voilà. On peut se poser des questions. Il n'est pas non plus question pour nous de retourner la table. Hein, pour le moment, je vous l'ai dit, on fait les fondations. Et après, au fil du temps, une montée en puissance. Voilà, dans cette co-construction qui demandera peut-être et sûrement plusieurs années. Voilà. Mais la filière, c'est important. Enfin, la musique, c'est un bien commun. Ça concerne tout le monde, tous les lieux, tous les espaces.
que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez chez vous, dans votre salle de bain, peu importe. Mais enfin, même dans le milieu d'ailleurs professionnel, parce que bon, c'est même d'ailleurs hein, quelque part une bonne thérapie aussi parfois. Voilà, la milieu, elle est partout. D'ailleurs, je crois qu'en fond, nous l'avons eu là même. Voilà, en live. Voilà. Donc, il n'est pas question, bien sûr, donc de retourner la table, mais il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Nous sommes croisés des chemins à l'heure d'usage qui sont modifiés, à l'heure du numérique, avec le jeune public qui attend autre chose, d'autres services, le spectacle vivant, qui est aussi une autre expression et qui a bien sûr une place prépondérante et de plus en plus importante aussi. Alors sans oublier aussi le maillage des territoires. Voilà. Ce sera aussi des choses à prendre en compte et non pas que cette maison commune n'est que le reflet un peu d'une forme de parisianisme. Pas du tout. D'ailleurs, tout ça corrobore aussi avec même des actions qui sont menées avec l'éducation nationale. Et là, il n'y a pas de doute, ça couvre tout le territoire. Hein, nos deux ministres de la culture et de l'éducation nationale sont parfaitement en duo aussi pour avoir des actions sur la chorale à l'école, l'apprentissage à l'école, sur... voilà. Et on a aussi parlé pendant le déjeuner de la filière musicale des financements du Centre national de la musique. Qu'en est-il ? Bien, alors le financement, bien sûr, c'est le premier. C'est pas. Premier. Tout simplement parce qu'on est contraint par la prochaine loi de finances de 2019. Voilà. Mais ce n'est pas ça forcément qui est le plus déterminant, nous, dans notre démarche. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien prendre en compte. Alors, pour ce qui est de la finance, naturellement, différentes pistes. Déjà, c'est d'être déjà des militants pour maintenir ce qui peut exister en crédit d'impôt, parce qu'en effet, 1 euro de crédit d'impôt, c'est 2,7 de retour. Voilà. Donc, c'est véritablement d'être militant pour véritablement maintenir ce crédit d'impôt, que ce soit sur le spectacle vivant ou que ce soit sur la phonographie. Mais aussi les pistes, alors bien sûr, pour financer, il y en a plusieurs, et là, ce sera, on peut parler de taxes YouTube, pourquoi pas, on peut reparler aussi de la TOCE, voilà. Il y a plusieurs pistes, mais là, naturellement, il faudra que ce soit en phase avec aussi le ministère du budget, voilà. Donc là, on rentre dans des techniques fiscales, mais bon, bien sûr, il faudra trouver une solution. Et la gouvernance du Centre national de la musique, est-ce qu'elle est déjà définie ? Alors, la gouvernance, en tout cas, faut tirer leçon, bien sûr, de certaines autres gouvernances. Il y en a qui sont véritablement efficientes, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce qu'on a pu partager avec ma collègue. C'est des gouvernances telles que celle du CNC. Et puis vous avez aussi une autre gouvernance sur laquelle je me suis penché hier, pas plus tard qu'hier, sur invitation. J'ai été voir, en effet, je pense que c'est aussi une bonne piste qui est le CNL, le Centre National de la Lecture. Et voilà, on peut se poser aussi la question de cette forme de gouvernance où véritablement le pouvoir public prend aussi pleinement sa part de responsabilité. Voilà, parce que tout ça, c'est quand même aussi l'intérêt général. Et l'intérêt général doit être porté en premier chef par la puissance publique. Et si vous voulez, on ne fera pas forcément une gouvernance telle qu'on peut trouver actuellement dans le CNV. Le Centre national des variétés. Oui. Est-ce que pour terminer, vous auriez un message à adresser aux artistes et aux acteurs de la filière musicale qui vont se réunir dans cette maison commune de la musique ? Alors, mon message, il va être que... Mais bon, ils en sont... Ce qui se passe bien, c'est que tout le monde est convaincu qu'il y a déjà eu 2 rendez-vous manqués. Hein, à la fin des années 2008-2009, dans des prémices, puis après, en 2012, il y a eu un deuxième... Et tout le monde a conscience que véritablement... Voilà. Donc, nous devons marcher, ensemble.
et que chacun devra certainement, oui, peut-être faire un peu des efforts, des petites remises en cause sur son fonctionnement, sur ses pratiques, et voilà, et peut-être en effet d'être un peu plus dans le partage avec les confrères, voilà. Je pense que s'il y avait un message, ce serait véritablement ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien finalement le terme de maison commune plus que CNM, que je trouve un peu, bon, qui est un acronyme sympathique comme ça, mais enfin qui fait un peu plus technocratique que la maison commune, qui est, voilà, philosophiquement, c'est un peu plus une communion, voilà. Et voilà, ce serait le message. Mais ils en ont eu conscience même avant moi, avant cette mission, que nous sommes dans un moment où véritablement, parce que je ne parle pas là naturellement des GAFAN, voilà, GAFA, GAFAN, voilà, et tout le monde a conscience des gros maçonnons et des gros majors à l'étranger qui véritablement sont aux aguets, quoi. Et véritablement, il faut qu'on muscle cette filière et qu'on la soutienne. C'est important. Et puis aussi, une petite chose d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense là, c'est aussi la défense de notre culture, très bien, mais aussi la francophonie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi où beaucoup de parlementaires, d'ailleurs, sont sensibles. La défense aussi de la francophonie, c'est aussi notre part de culture et de rayonnement. La France à l'international. Et pour terminer, une toute dernière question. On est aujourd'hui le 21 juin, donc on célèbre la musique. Petite question insolite. Quel était votre premier concert? Est-ce que vous vous en souvenez? Je crois que oui. Je crois que oui, finalement. Je m'en souviens. Bon, c'était tout simplement dans ma bonne ville de Chambly, où je me souviens, il y avait eu. Alors donc c'était en 82. Parce que souvent on pense que c'est 80. Non, c'est 82. Et je me souviens avec trois concerts qu'il y avait eu dans différents quartiers de ma petite ville de 10 000 habitants de Chambly dans l'Oise. Voilà. Et je me souviens, oui, tout à fait. Un orchestre plutôt troubadour, et puis quelque chose un peu plus punchy, un peu plus rock dans un autre. Et puis un autre, il y avait eu de la danse folklorique. Voilà, mais je me souviens parfaitement. Merci beaucoup, Pascal Bois. Je voulais simplement aussi rajouter aussi que je pense aussi à un des volets que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est bien sûr l'international. Voilà, mais quand je parle l'international, c'est le soutien au bureau export, hein, qui s'est d'ailleurs traduit pour me. Voilà, je rappelle d'ailleurs que les 500 000 euros dont j'avais été rapporteur au moment de la loi de finances, sur les 500 000 euros qui avaient été rajoutés pour le soutien au bureau export, voilà, c'est. Je veux dire par là la traduction du gouvernement et de l'Assemblée aussi pour notre rayonnement international. Merci beaucoup Pascal Bois. Je vous souhaite une excellente fête de la musique et un bon déjeuner de la filière musicale. Au revoir. Merci.